Ben voilà, le bonheur. Tandis qu'à Saint-Germain-des-Prés, des badauds s'attardent au soleil, d'autres choisissent des plaisirs plus obscurs. Ils dédaignent les terrasses et les cafés et préfèrent descendre au plus profond des entrailles de Paris. Sous le macadam, des existentialistes, des poètes, des musiciens se retrouvent pour d'étranges messes païennes, des rites d'un autre âge. Ils ignorent les crânes des catacombes, ils méprisent les cohortes de rats qui pullulent. Elles ont choisi, ces étranges personnes, une cave à charbon pour lieu de ralliement. C'est là qu'ils font la fête, réinventent le monde et jouent de la trompette.